Nadine Chabert est portée disparue depuis 20 ans. Cette mère de famille âgée de 34 ans est disparue entre le 10 et le 11 juin 2003 lors d'un voyage qu'elle devait faire pour une formation dans la ville de Paris. Son époux, Patrick, avait alors indiqué qu'il avait laissé sa femme au niveau d'un rond-point de Fos-sur-Mer où un collègue devait la récupérer en voiture. Le patron de Nadine donne l'alerte concernant la disparition de leur salarié le 11 juin 2003, car celle-ci ne s'était pas rendue à la dite formation. L'époux a rapidement été le suspect de cette affaire, car le couple était en instance de divorce. De plus, Patrick a menti aux forces de l'ordre. Il avait initialement indiqué qu'il avait appelé sa compagne le 11 juin depuis son domicile. Cependant, après l'étude de la téléphonie de celui-ci, cet appel a été passé depuis un hôtel basé à Toulon. L'enquête s'est beaucoup focalisée sur ce coupable idéal. Émilie, la fille du couple, avait perçu l'évolution toxique que prenait ce couple. Et pour elle, il est quand même inconcevable d'imaginer que son père ait pu en arriver à faire du mal à sa mère. Celui-ci niera les accusations portées contre lui. Malgré tout, il est condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Après avoir fait appel de cette condamnation, il sera finalement acquitté en 2011. Il reste cependant une piste inexplorée qui semble intéressante, celle de l'ésotérisme. Nadine avait, semble-t-il, de nouvelles fréquentations, et notamment celle de voyantes, qui visiblement lui donnait des instructions concernant le sens que devait prendre sa vie. À l'époque, Nadine était fragile. Sa fille dira qu'elle a perdu énormément de poids et qu'elle ne reconnaissait plus sa mère. Ainsi, grâce à ces nouveaux éléments, notamment des notes qui avaient été prises en lien avec ces nouvelles croyances, l'affaire a pu être réouverte. Les investigations ont pu reprendre. Et la fille de Nadine espère qu'un jour la vérité pourra éclore. Grâce au pôle de Nanterre, le cold case est aujourd'hui à l'étude et nous espérons tous pour Nadine et sa famille que la vérité puisse un jour être donnée afin de savoir si celle-ci a disparu volontairement comme son ex-mari semble le penser ou si celle-ci aurait pu être victime d'un malfaisant. Je vous propose aujourd'hui de faire un tirage concernant cet événement. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dimanche dans cette vidéo dédiée donc à Nadine Chabert, comme je viens de vous l'expliquer juste avant. J'ai déjà brassé les cartes, donc je vous propose de faire avec moi le premier tirage pour savoir un peu au moment de la disparition de Nadine, où est-ce qu'elle en était dans sa vie privée, dans son état d'esprit, voilà, plus exactement, Nadine, si elle était plutôt dans une période de dépression, une période de remise en question, une période de changement. Visiblement, d'après sa fille, elle avait beaucoup changé physiquement. Et elle avait de nouvelles fréquentations, donc on peut imaginer aussi qu'elle ait été sous influence, pourquoi pas, d'une nouvelle personne dans son existence. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, on ne sait toujours pas, et j'imagine la détresse de sa fille, à l'idée quand même que sa mère puisse être quelque part dans la nature et qu'elle ne puisse ni lui rendre hommage, ni éventuellement, si tel était le cas, mais au bout de 20 ans, on peut imaginer probablement que cette personne est décédée, mais en tout cas si elle avait pu lui venir en secours ou non. Donc on va voir, parce que parfois les certitudes qu'on peut avoir en tête s'avèrent complètement erronées et finalement il y a des personnes qui disparaissent également de manière volontaire.
Donc, ne nous laissons pas guider uniquement par notre mental et acceptons aujourd'hui ce que ce tirage va nous révéler par rapport à Nadine et puis le moment de cette disparition au mois de juin. Qu'est-ce qu'il en était pour elle? Comment est-ce qu'elle se sentait? Est-ce qu'elle avait besoin de changement au point de partir de son domicile et de ne plus y revenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait pu sombrer, effectivement, pourquoi pas, dans les affres d'un gourou et suivre une secte? C'est possible aussi. C'est des choses qui sont étudiées ou qui l'ont été, peut-être selon la fille de Nadine, pas suffisamment, mais en tout cas qui ont été évoquées au cours de l'instruction. Et alors, effectivement, voir des voyantes, ça peut aussi être très dangereux si vous êtes quelqu'un d'influençable, si vous avez tendance à suivre effectivement tout ce que certaines personnes vont vous dire, eh bien cela peut s'avérer dangereux. J'essaye de toujours laisser, moi, par exemple, le maximum de liberté aux personnes lorsqu'elles me consultent, c'est-à-dire que l'idée n'est jamais, en tout cas de ma part, de guider les pas d'une personne dans un sens ou dans un autre, parce que vous êtes libre de vos choix et vous restez libre et maître de votre destin. Le fait de consulter quelqu'un ne marque pas les choses en marbre, si vous voulez. Vous allez faire et avoir des décisions à prendre et faire des choix qui vont pouvoir modifier à chaque fois ce que nous, on peut voir à un instant T. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes, malheureusement, qui sont un peu accros à tout ce genre de choses. C'est aussi la responsabilité, moi dans mon cas par exemple, si ça m'est arrivé, ce qui n'est pas le cas, de voir quelqu'un qui voudrait consulter pour un oui ou pour un non, de savoir mettre le holà avec respect et bienveillance toujours, mais de ne pas inciter la personne à nécessairement procéder à des tirages comme ça pour un oui ou pour un non, c'est pas la solution. Quand on est vraiment perdu, on peut faire appel à ce genre de procédé, mais on ne doit pas laisser son quotidien se faire guider uniquement par de l'astrologie, de la voyance. On est aussi dans une sphère mentale qui nous permet de prendre nos décisions par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et savoir rester dans cette liberté, dans le respect de la liberté de l'individu, est quelque chose qui me touche vraiment et qui me prend à cœur, puisque sinon c'est très difficile de différencier effectivement une voyante, une astrologue d'un gourou de secte. Si on se met à présenter les choses comme acquis et comme l'unique réalité, on devient quelqu'un de dangereux, je pense. En tout cas, pour moi, ça s'apparente souvent à de la grande manipulation et je préfère m'abstenir de procéder ainsi, car je pense que pour moi, ça serait quelque chose qui me mettrait excessivement mal à l'aise et qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus rien qui se passe au niveau de mes connexions, j'imagine, parce que ça serait en faire un commerce de manière totalement injustifiée. Et je pense quand même ne pas être ce genre de personne, enfin j'en suis même certaine, puisque aujourd'hui j'essaye d'apporter des points, on va dire, importants sur les tirages que j'effectue aux personnes qui me consultent, mais en les laissant toujours avec déjà mes coordonnées pour pouvoir continuer à échanger si besoin était, puisque j'ai aussi une formation en psycho. Et ça me permet également de pouvoir, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles d'annoncer par exemple, ou quand les choses peuvent toucher une personne et qu'elle a du mal parfois à l'analyser, ben, on peut en reparler ensemble. Et puis j'estime aussi quand même qu'il est très important de pouvoir répondre aux questions bien après les tirages. Donc moi je me tiens toujours à disposition des personnes. L'objectif c'est pas de laisser quelqu'un comme ça dans le brouillard complet. Et surtout, si la personne est mal à l'aise ou si elle ne se sent pas bien, je me sens responsable à ce niveau-là de devoir essayer de gérer un peu avec elle, de manière, alors soit par de la psychothérapie, mais ça c'est quelque chose qui s'instaure sur du long terme et qui est un métier, donc c'est encore compliqué pour certains. C'est très cher de pouvoir se payer des soins en psycho toutes les semaines. Donc ça, c'est parfois un peu impossible pour certaines personnes sur l'aspect financier. D'ailleurs, si vous avez besoin de soutien psychologique et que vous êtes, par exemple, dans l'addiction, n'hésitez pas à vous rendre dans les centres du XAPA. Ça s'écrit C-S-A-P-A. Et là, vous y trouverez un soutien psychologique entièrement gratuit, pris en charge par l'État, un suivi avec un médecin en addictologie et également une assistante sociale.
Et ça, c'est des centres qui existent partout et qui peuvent vous permettre de faire un point vous aussi si vous en avez besoin par rapport à votre situation personnelle. Alors c'est vrai que c'est plutôt orienté addictologie, mais ça peut être pour le tabac également, hein, si vous voulez arrêter de fumer par exemple. Eh bien sachez que vous aurez aussi le droit de bénéficier de cette thérapie entièrement gratuite et sans limitation dans le temps. Aujourd'hui où c'est très compliqué de trouver des médecins, alors c'est une psychologue, hein, c'est pas un psychiatre, il n'y a pas de prescription médicamenteuse, mais c'est un lieu d'échange qui peut vous être utile si vous vous sentez parfois un peu isolé dans votre vie personnelle. Et ça peut aussi, comment dirais-je, vous aider peut-être à, si vous vous sentez seul, à avoir un lien social que parfois on peut perdre et qu'on peut essayer de noyer son chagrin dans certaines addictions qui trompent la solitude, mais qui en réalité ne font qu'isoler un peu plus les personnes qui en sont victimes. Voilà, c'était mon petit point de conseil du jour du dimanche. Allez, c'est parti pour Nadine. Donc, dans cette dernière journée et donc du 10 juin, du 10 au 11 juin 2003, comment se portait-elle? Qu'est-ce qui l'animait un peu? Ok, donc là on a la carte de l'attitude qui arrive et les enfants. On voit un parc qui est représenté ici avec des jeux, avec plutôt des couleurs très optimistes. Donc, pour moi, ici, on nous montre que c'est quelqu'un qui savait se montrer un peu insouciante, qui avait besoin de cette légèreté, qui avait envie de pouvoir vivre sa vie sans vraiment avec insouciance. Voilà. Elle a hésité, hésitation avec son rôle de mère. Le père, avec le fait de semer ses graines. Prendre. Avec des chemins différents qui se séparent, quoi. Pourrir avec la carte de la compétition ici. Donc on nous donne dans cette première ligne l'état d'esprit de Nadine qui était déjà un peu partie visiblement, effectivement, dans d'autres directions, qui n'avait plus envie de la vie de famille qu'elle avait à ce moment-là. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de légèreté et elle pensait que le père, visiblement, était le, vous voyez, qu'il était capable de gérer, de mener à bien, de semer les graines pour l'éducation. L'éducation, c'est un peu comme l'agriculture, on sème des graines et puis après, l'enfant grandit et s'épanouit. On peut comparer ça à l'évolution d'un arbre, d'une plante. Pour moi, ici, elle avait quand même de gros doutes sur sa capacité et son instinct maternel. Peut-être qu'on l'a fait douter d'elle-même en lui disant qu'elle n'était pas suffisamment une bonne mère ou qu'elle ne s'impliquait pas assez. En tout cas, elle a hésité ici au niveau de la séparation déjà à prendre cette décision et elle n'a pas eu le choix. Elle ne voulait pas blesser sa fille. Hein. Pour moi, elle a eu vraiment des grosses hésitations par rapport à cette séparation au niveau de son enfant. C'est quelque chose qu'elle voulait certainement protéger, ce qu'on peut comprendre. Se conformer avec le diable. Ah! Donc, se conformer à quelque chose, ça peut être se conformer à une certaine façon de penser, se conformer à des idées politiques, se conformer à la société. On peut se conformer à beaucoup de choses. Néanmoins, oh, mon Dieu. Ok. Donc, l'auto-sabotage, être coupable d'auto-sabotage. Là, on est pour moi sur d'autres cartes. Vous voyez ici, on était plutôt dans des cartes lumineuses avec des tendances plutôt vertes, claires, bleues. Ici, on est sur du rouge. Ah, ça revient. Le cycle avec les personnes âgées qui, semble-t-il, sont un couple, hein, qui sont côte à côte. Et ici, on voit qu'il y avait quand même tout ça qui, en fait, qui impactait ce couple. Donc, se conformer à ce que la société attendait d'elle, à ce couple qui était une représentation de ce qui était normalement l'idéal de vie, la faisait se sentir extrêmement mal à l'aise. Elle n'était plus en phase avec ce couple. Elle se sentait coupable, hein, elle se sentait coupable de saboter sa relation avec son mari. Elle s'en est voulu d'en arriver là, visiblement. Il y a eu des échanges avec de nouvelles personnes, peut-être en lien avec l'étranger, mais en tout cas, une nouvelle personne dans son entourage. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas vraiment, mais qui faisait des écrits, qui avait des écrits envers elle. On peut penser à ce qui a été retrouvé comme courrier de voyante, des annotations qui ont été prises ici. Et qui pouvait parler ou l'inciter à partir aussi à l'étranger.
Détruire. Alors là, il y a deux personnes quand même qui sont côte à côte, qu'on ne peut pas identifier, qui sont inidentifiables et sur le genre et sur l'âge, mais qui vont droit dans le mur, qui n'ont pas ici d'horizon, qui sont dessinés devant elles. Et on est bien sur la carte de la destruction. Donc il se peut qu'il y ait bien deux personnes qui aient eu envie de mettre fin à certaines choses, notamment à la vie de Nadine, par exemple, pourquoi pas. Mais on peut même parler d'elle, qui serait accompagnée de quelqu'un aussi. Donc on va regarder dans les cartes qui suivent. Ici, l'affection avec le départ. Je pense que Nadine avait une relation. Je pense qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas qu'elle s'apprêtait à être en couple. Pour moi, il y a quelque chose de lointain. C'est quelqu'un qui avait une certaine distance, peut-être géographique, avec elle. On peut nous parler d'une personne aussi qui serait d'origine étrangère. Moi, je reste convaincue plutôt que c'est quelqu'un qui est en France, mais qui n'est pas forcément de la même région qu'elle. On peut nous représenter aussi ici le départ de Nadine pour sa formation, avec son mari qui lui dit au revoir. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il l'a laissé sur ce rond-point et personne ne l'a vu monter dans quoi que ce soit. Se libérer d'eux. Ouais, pour moi, il y a quand même une démarche volontaire là-dedans. Auto-saboteur. Avec la police. L'angoisse avec l'infirmière. Érotique. Je vais cacher la carte qui représente parce qu'on est sur des cartes, vous savez, d'intimité. Voilà. Donc là, c'est l'intimité féminine. D'accord. Alors, je vais reprendre un peu les cartes précédentes. Pour moi, on nous a expliqué ici que Nadine avait des propositions pour partir de cette situation qui ne lui correspondait plus. La personne qui la sollicitait, pour moi, un homme, est une personne qui avait une mauvaise intention envers elle et qui lui a fait croire qu'il allait l'aider à sortir d'un mauvais pas. Qu'elle allait, grâce à lui, ne plus se sentir isolée, seule dans son monde. Elle avait l'impression d'être comprise et entendue, et c'est ce qui a fait, quelque part, qu'elle a pris des mauvaises décisions et qu'elle a fait le mauvais choix. Elle a su, en fait, qu'elle s'était mise dans la panade bien trop tard. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas du tout été face à quelqu'un qui était honnête vis-à-vis d'elle. Et malheureusement pour elle, il était trop tard pour faire machine arrière. Alors ici, on voit qu'il y a la carte de l'érotisme qui est mêlée avec la carte de l'angoisse et de l'auto-sabotage. Donc on nous parle pour moi vraiment d'une relation qui a été pour moi distancielle au départ. Quelqu'un qui aurait pu effectivement lui conduire, lui dicter un peu sa conduite, lui dire comment se sortir de cette vie qui ne la rendait pas heureuse. Donc ce tirage est étonnant, comme ça arrive parfois, et je suis bien contente de ne pas me laisser guider là par mon mental. Je vous propose de reprendre ce jeu, et puis on va regarder au niveau de sa relation plus sentimentale, où est-ce qu'elle en était à ce moment-là aussi de sa disparition, avec les cartes du Tandu. Voici donc les cartes qui sont venues pour Nadine et sa relation avant sa disparition. Donc sa relation, on va dire plutôt sa vie sentimentale, ça sera plus clair, puisque pour moi il y a bien une tierce personne dans sa vie. Donc je pense qu'il faut bien distinguer sa relation avec son époux d'avec quelqu'un d'autre. Alors ici, on a eu la carte de l'homme qui s'est renversée avec le foyer, donc on voit des parents qui tiennent un enfant dans leurs bras. Donc avant sa disparition, il était déjà question de ce foyer familial. Ici, c'est la représentation de là où elle en était dans sa vie sentimentale et personnelle. Et là, j'ai demandé plus par rapport à son mari, où est-ce qu'elle en était.
Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça signifie. Si ça vous parle, cette carte, moi, ça me dit rien du tout. Je ne sais pas si c'est un train, un avion, j'en sais rien, je ne sais pas. Là, on dirait une main, mais ouais, peut-être que c'est une main. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà. Voilà où elle en était. Donc, je pense qu'elle se réappropriait aussi sa vie de femme quelque part. Coupable. Chouette. Coupable, elle se sentait coupable d'être. En fait, si vous voulez, là, c'est comme une révolutionnaire qui est représentée. Donc, ici, il y avait une certaine culpabilité des décisions qu'elle prenait et de l'indépendance qu'elle souhaitait. Alors, on a la carte de l'humiliation avec des enfants qui se font un bisou et une petite fille qui regarde sur le côté. Donc, peut-être qu'elle avait appris, elle, que son mari n'était pas fidèle envers elle-même. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a eu une situation de tromperie qui a été difficile à gérer. Donner. Alors là, on a une femme qui est dans une couleur rose, plutôt sensuelle, avec un espèce de drap qui la recouvre. Elle est nue dessous. Et on voit quelqu'un qui se tient un peu de manière. Alors, on pourrait penser ici que c'est quelqu'un avec les mains sur les hanches, comme ça, qui semble plutôt contrarié. Ou en tout cas qui admire, elle, en tout cas, elle donnait pour expliquer un peu ici, c'était plutôt une période de sensualité dans sa vie, hein, quelque chose qu'elle donnait à une tierce personne. Le couple, lui, n'allait pas bien du tout, et il y avait des reproches qui étaient faits avec quelqu'un qui ne se remettait pas du tout en question et qui semble étonné ici. Ça n'avait plus de sens, hein, de rester ensemble, partager. Et vous voyez des gens qui se voilent la face. Donc le couple était bien over. Et on nous dit ici qu'ils auraient même pu se séparer avant parce que ça faisait déjà un moment que ça n'allait plus. Expert, avec la carte d'un couple ici qui est face à la nature dans son élément naturel et qui est nu, face aux étoiles. Donc on nous représente tout ce qui est l'origine en fait, hein, la nudité de l'homme, le ciel, la nature. Et pour en recouvrir ici la carte de l'expert. L'apparence avec la disparition. L'apparence avec quelqu'un qui regarde, qui semble chercher. Je vais tirer les trois là pour comprendre un peu. Hein, parce qu'on est sur une autre ligne. La peur avec l'agression physique d'une femme. J'ai l'impression que le départ initial a pu être prévu malgré tout et qu'il y a quelqu'un qui savait en fait où elle était à ce moment-là et ça a dégénéré par la suite. Caché, il y a deux hommes. Hein. Donc pour moi, en fait, Nadine au début a voulu peut-être partir. Effectivement, c'est possible que l'initiative ne soit pas étrangère à elle, mais pas dans ces circonstances-là et pas dans du long terme. Hein. Il y a eu quelqu'un qui lui a expliqué comment procéder pour quelque chose, pour s'en sortir. Quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire quelqu'un qui a dû lui dire que ça serait temporaire, qu'elle reviendrait et que ça allait aller. Par contre, ça a dégénéré ici. Et elle a su, Nadine, qu'elle ne reviendrait plus. Pour moi, il y a une évolution qui est représentée avec un soutien de quelqu'un qui lui a donné cette aide pour pouvoir partir. Et cette même personne qui a certainement fait semblant de la chercher. En réalité, il y a eu un problème qui est intervenu ici, et avec cette violence ici qui est intervenue, on a souhaité cacher les choses. Ces deux hommes qui ne veulent pas parler. Stop sur, ben, vous voyez, la sérénité de la vie de couple, le partage, la longévité. Donc ça a mis un stop à tout ça. Ressentiment avec la carte ici d'une femme qui discute avec une plus jeune dame et un homme qui tourne le dos. Je pense que Nadine n'avait pas forcément trouvé le soutien qu'elle envisageait auprès des siens, en fait. Hein. Elle a probablement essayé de chercher du soutien auprès de sa mère ou d'une personne plus âgée par rapport à tout ça. En tout cas, pour moi, ici, il y a quand même deux informations un peu paradoxales, mais qui sont intéressantes à étudier. C'est qu'il y avait ce ras-le-bol pour elle d'une situation de couple qui ne menait plus à rien et qui n'avait vraiment plus aucun sens de maintenir. À mon avis, elle a pensé que tout allait bien se passer au niveau de cette journée du 10. En réalité, non, ça n'a pas été le cas. Et ici, ça a été même très, très violent pour elle.
dans la mesure où c'est des personnes qu'elle connaissait qui sont intervenues. Et j'ai l'impression pour moi que la colère, vous voyez, la colère, elle est recouverte ici des chemins qui se séparent et du couple qui n'a plus rien à faire l'un envers l'autre. Je pense qu'il y a des personnes plus âgées au couple qui ont essayé d'intervenir pour essayer d'apaiser la situation sans y parvenir. L'affection, vous voyez, la femme tourne complètement le dos à l'homme. Elle ne veut pas lui donner d'affection. Le couple était mort. Hein. Clairement, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Au moment de sa disparition, il n'y avait plus d'amour. Alors, non seulement elle ne lui donnait pas d'affection, mais en plus, alors certainement aux yeux de ses proches, pas forcément pour elle-même, mais en tout cas, elle est vue comme possédée ou il y a quelque chose, une entité négative derrière elle, où on peut nous montrer son côté sournois, le côté double face, très bien en société, et obscur. En tout cas, elle a changé d'attitude et ça nous est bien ici confirmé. Il y avait quelque chose ces derniers jours qui n'allait pas. Et je pense que c'est peut-être pas anodin, effectivement, les personnes qu'elle a pu consulter. Avec cette carte de l'entité, on est un peu dans l'ésotérisme. La solitude avec le couple. Alors, on peut se dire que seul comptait sa relation. Seul comptait de pouvoir être heureuse en ménage. Seul comptait les rencontres physiques uniquement et pas de sentiments. Ça peut être interprété différemment. Et comme on arrive après toutes les cartes qui concernent le ressentiment, la colère, l'affection, le changement et la solitude, je pense qu'on nous indique son état d'esprit ici. Quelqu'un qui a encaissé pendant des années et qui avait besoin de retrouver en fait un peu de pérennité, un peu de sérénité pour pouvoir avancer. Et clairement ici, elle a bénéficié de l'aide de quelqu'un au départ pour cette disparition. Quelqu'un qui était concerné et intéressé par le fait qu'elle ait envie de changer de vie. C'est pour ça que je pense à un amant. Et je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas réécouté l'affaire de Nadine Chabert. Je la connais déjà et c'est vrai que je ne me rappelle plus s'il y avait une question d'autres hommes. Il faut que je regarde ça. En tout cas, n'hésitez pas toujours dans vos commentaires à me porter toutes les informations que vous avez à votre connaissance, si celles-ci sont utiles et si elles peuvent infirmer ou confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce que je vous propose là, ça va être de regarder plutôt un tirage qui va être orienté sur le mari de Nadine, donc Patrick Chabert, et essayer de comprendre avec ces cartes qu'est-ce que lui ressentait à ce moment-là. Est-ce qu'il était animé par la haine et la volonté de la faire disparaître, par exemple? Ou est-ce que pas du tout, c'est potentiellement vraiment pas lui du tout qui sera en lien avec ce qui est arrivé à son épouse, comme il l'a toujours dit et comme sa fille le pense également. On va regarder avec les cartes ce qui peut nous être un petit peu indiqué. Voici le résultat donc pour Patrick Chabert. Donc on voit que sa relation était pour lui toxique. Ici nous avons un virus avec une main qui s'en approche et nous avons aussi le drapeau qui indique le danger de mort. Donc sa relation n'était pas top pour lui non plus. D'ailleurs la première carte qui sert de coupe c'est le chagrin avec quelqu'un qu'on voit ressusciter, sortir de terre, monter aux cieux, en tout cas accueilli ici par un ange. Donc, ouais, il a été, c'est quelqu'un qui a été affecté. C'est ce qu'on peut nous montrer avec le virus aussi. L'affection. L'infection et être affecté, supprimé. Ah, on a la même carte que tout à l'heure avec les deux hommes là qui sont représentés. Donc, il a pu obtenir une aide éventuelle, ou en tout cas, on nous montre plusieurs protagonistes. C'est quelqu'un qui était angoissé par la séparation.
Angoissée par ce changement d'attitude, angoissée par les routes qui se séparaient. Il s'est senti humilié. Il s'est senti humilié dans sa relation de couple ici, où on lui montrait que les choses allaient bien et en réalité, il n'en était rien. Donc là, c'est la fin d'un équilibre aussi. Hein. Qu'est-ce qui était merveilleux? Eh bien, pour lui, en fait, c'était son image, on va dire, fantasmagorique du couple, avec cette symbiose totale et ses corps qui s'enchevêtrent. On est aussi sur une image très joyeuse, printanière, lumineuse. Et pour lui, en fait, la vie qu'il avait semblait lui convenir. Il a résisté face à des situations de tromperie. Donc là, on nous précise vraiment que soit lui-même, il s'est montré résistant et il n'a pas cédé à la tentation, soit il a résisté vis-à-vis d'une situation dont il avait connaissance et qui ne lui convenait pas. Et on retombe sur la femme de tout à l'heure avec la carte du faux. Et comme je vous le disais, il y a une personne qui avait l'air dubitative. On nous montre ici son mari, je pense clairement, que ce monsieur avait décidé de ne plus se laisser avoir, de ne plus se laisser séduire facilement. On voit la rigidité ici. Rigidité avec un couple qui a, semble-t-il, un écart d'âge. Je ne sais pas si son époux est plus âgé qu'elle. En tout cas, ce couple-là était, semble-t-il, quand même, on va dire, avec des règles, avec des choses qui étaient mises en place et qui devaient faire en sorte que les choses se passent bien. L'étranger avec une relation intime entre deux femmes qui, en tout cas, a l'air assez sensuelle. Ok. Ouais. Donc, ici, vraiment, il y a quelqu'un qui est intervenu, une tierce personne. Hein. On nous parle encore d'une tierce personne. Le mari, lui, était déjà dans un état pas terrible avant la disparition de son épouse. Il n'avait déjà pas le moral. Les espoirs, ici, qui ont l'air complètement morts. Puisque la dame regarde vers le ciel d'un air abattu, le monsieur au sol d'un air triste. Elle a l'air de supplier des entités divines ou Dieu ou l'univers. Et lui semble tout simplement ne plus y croire. Donc le couple était vraiment sur la séparation. Et des deux côtés, il n'y avait plus, semble-t-il, d'envie et de choses à espérer de ce couple. Vous voyez, il y a la lassitude qui intervient ici avec le couple. Ils en avaient marre, en fait, de jouer la comédie parce que ça devait être comme ça et ils avaient besoin de se réapproprier, en fait, chacun leur vie. Le changement, eh bien, ce sont les apparences qui ont changé ici puisque sa femme, semble-t-il, n'a plus laissé place à l'image qu'on lui donnait d'elle, mais s'est réappropriée, en fait, sa personnalité, son corps et sa vision d'elle-même. Hésitation avec des relations, alors comme je vous le dis de temps en temps, ici on peut penser au jeu « je te tiens, tu me tiens » avec la claque à la fin là qui fait pas mal normalement. Mais pour moi c'est plutôt une hésitation dans les comportements qu'il aurait pu avoir. Alors on peut nous montrer une violence physique ici, éventuellement, mais réciproque. Vous voyez chacun des deux protagonistes à la main sur le visage de l'autre. Donc, avant de se blesser, peut-être, dans le sens moral du terme, il a essayé de réfléchir. Et oui, il a hésité. En fait, de ces changements physiques, il a vraiment hésité à intervenir d'une sale manière. Ici, il y a le pardon sur, pour moi, une relation charnelle qui est dans les bois, donc plutôt une relation adultérine. Malgré tout, ce monsieur était en colère et visiblement en colère parce que contre la mère nourricière, il s'est senti pris en otage en fait dans cette situation, pieds et poings liés et obligé en fait de faire avec ce qui se passait. Expert avec la violence, la colère, quelqu'un qui est géant par rapport aux autres protagonistes et qui tape du poing sur la table. Il se peut qu'il a embauché quelqu'un par contre hein, ici. Faillir avec le voyage. Et on sait que Nadine partait en formation. La contrainte avec la violence réciproque. Et l'enfant. Le côté enfant avec mi-ange, mi-démon ici. Ouais. C'est peut-être l'image que ce monsieur se donne vis-à-vis de sa fille, en fait, hein, de pouvoir essayer de se faire passer toujours pour l'image de l'ange, mais n'oublions pas qu'il y a ce côté ici qui existe aussi. Pour moi, dans ce tirage, on nous apprend vraiment que la situation ne convenait absolument plus à Patrick,
qui va essayer, pour ne rien vous cacher, de maintenir le cap parce qu'il avait envie de pouvoir avoir cette image de famille soudée et parfaite. Mais que ce n'était plus possible parce que son épouse avait vraiment beaucoup trop changé. Donc il a hésité, semble-t-il, avant d'accepter cette séparation et ce divorce. Il le vivait très mal. Hein. Pour lui, il y a eu vraiment une trahison, de ce que je ressens. Et il y a eu des tergiversations. Cependant, lorsqu'il a appris ce qui se passait dans son dos et qu'il a eu, on va dire sûrement en tout cas, la certitude que sa femme n'était pas forcément celle qu'il aurait souhaitée, ici, il y a vraiment eu un mouvement de colère qui a fait en sorte que les choses s'arrêtent. On a préservé l'enfant dans l'histoire. Ok. Écoutez, ce sont des cartes, hein, donc ça reste du conditionnel que je n'utilise pas toujours parce que c'est un peu pas habituel pour moi de parler au conditionnel, comme pour la plupart des gens. Mais en tout cas, ce ne sont que des cartes, donc n'y voyez aucune accusation. Ce monsieur a de toute façon été innocenté et là, on n'a pas de carte de mise à mort, on n'a pas de carte d'agression. Donc oui, qu'il y ait pensé, c'est possible. Qu'il ait pensé à se séparer, c'est certain. Qu'il ait été déçu de sa femme, oui, également. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était absolument pas prêt à vivre ce genre de couple. Pour moi, Nadine avait rencontré des personnes très, très toxiques et était elle-même en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai ce sentiment d'une femme perdue qui a été abusée parce qu'on lui a dit « Ah bah tu peux avoir mieux, tu mérites mieux, tu vas trouver mieux. » Et en fait, dans le mieux, il n'y avait que de l'apparence. Moi, je ressens quelqu'un qui avait un physique qui lui plaisait beaucoup, qui est un baratineur de première catégorie et qui l'a induite en erreur pour pouvoir essayer d'obtenir d'elle quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est l'argent. Je ne suis pas très convaincue que Nadine était quelqu'un d'argenté. Mais en tout cas, ça peut être par exemple ce motif-là, style l'argent. Il y a eu pour moi une espèce d'observation sur Nadine pendant plusieurs mois. Je pense qu'elle entretenait peut-être une relation avec un collègue de travail ou avec Ouais, pour moi, il y a de l'ordre du professionnel ou avec un partenaire avec qui elle pouvait travailler de temps en temps. J'ai ce sentiment, moi, d'une personne en lien avec son travail qui serait plus jeune qu'elle. Quelqu'un qui lui aurait dit qu'elle méritait mieux, qui lui plaisait physiquement. Et ça corroborait certainement aux propos que la voyante avait pu lui donner, ce qui a pu l'induire en erreur et lui donner facilité à faire confiance à quelqu'un qui n'en valait absolument pas la peine. Pour moi, Nadine a été trahie dans sa confiance et pensait absolument rentrer chez elle initialement. J'ai pas la sensation que ça a été facile pour elle de pouvoir maintenir le cap au niveau de sa vie privée avec son mari. J'ai l'impression qu'il était, de ce qu'on nous a montré précédemment, dans le contrôle et dans un manque de confiance envers elle absolue. Mais lui, il le vit comme un manque de confiance justifié. Il semblerait que Nadine ait déjà commis quelque chose qui ait mis ce monsieur dans une situation, alors je ne vais pas dire de paranoïa, mais d'alerte, parce que je pense qu'elle n'était pas forcément toujours très fidèle à lui. Alors j'ai ce ressenti, j'espère que je ne blesse personne, hein, c'est pas du tout l'idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en savez ou ce que vous en pensez. Pour moi, Nadine donc est une femme qui avait que 34 ans. Donc si vous voulez, à 34 ans, on a quand même encore espoir et le droit de vouloir avoir une vie sentimentale épanouie. Il n'y a rien de mal à ça. Et vouloir divorcer n'est pas une tare, n'est pas une honte. Ça arrive, on peut se tromper dans la vie et puis les gens évoluent parfois différemment. Et on ne se comprend plus au bout d'un certain nombre d'années, pourtant passées ensemble après la naissance d'enfants. C'est des choses qui arrivent et qui ne sont pas grave. Même derrière un échec sentimental, il se cache parfois des choses très bénéfiques, c'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un qui sera plus adapté à vous, qui sera quelqu'un qui vous correspondra plus, qui saura plus prendre soin de vous. Et ça, vous vous rendrez compte uniquement en vous laissant l'opportunité d'avancer, de continuer, malgré votre déception, de ne pas céder à la colère. Et de vous laisser le droit de connaître une vie sentimentale plus épanouie avec quelqu'un qui arrivera dans la suite. Parce que si vous le souhaitez, il n'y a aucune raison que personne n'y arrive. Donc je vais faire un dernier tirage concernant cette affaire. Parce que je voudrais vraiment arriver à savoir si Nadine est décédée. Et si oui, si elle est décédée des mains de son conjoint éventuellement. Donc nous allons reposer les cartes de haut pour aujourd'hui. Et je vais regarder avec le tarot des oppositions que je vais préparer. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Des messages qui nous sont indiqués.
excusez-moi, j'ai mis pause pour tousser et pas vous assourdir. Donc je vous disais qu'ici, il y a un sentiment d'isolement, de tristesse. On nous parle avec cette carte de maladie, de dépression. Donc en fait, d'une incapacité à prendre les décisions. On nous parle de quelqu'un ici qui a besoin d'être aidé pour se sentir plus forte et qui pourrait ainsi essayer de guérir de cet état profond de dépression, de maladie. Il se peut par contre que si cela n'ait pas été pris en compte, en fait, au bon moment, eh bien, cela gâche l'existence de la personne et que cela l'emmène au désespoir et à une vie cauchemardesque. Le 5 d'épée, donc on reste de nouveau dans l'épée. Ok. Alors par contre, cette carte est arrivée à l'endroit et donc est dans sa phase positive et nous parle donc de la fin d'une période de guerre, la satisfaction d'avoir obtenu justice dans une relation. Donc je pense que le fait de savoir qu'elle allait divorcer semblait lui redonner un petit peu de morale par rapport à ce qu'elle avait connu ici avec la coupe qui était déjà précédemment expliquée. Donc ce 5 d'épée dit qu'ici, elle savait maintenant, après toutes ces épreuves, comment guérir et retrouver la paix dans ses émotions et aussi comment passer dans une vie plus sereine avec de nouvelles personnes et pourquoi pas aussi s'éloigner des ennemis qu'elle s'était découverts. Ici, il lui fallait se battre pour continuer avec engagement de se confronter à des situations qui étaient douloureuses pour elle. Donc, il semble que ce divorce ne se passait pas de façon simple et que Nadine était en plein conflit avec tout ça. C'est peut-être pour cela qu'elle n'a pas souhaité que son époux soit au courant des rendez-vous qu'elle pouvait avoir avec un avocat éventuellement. En tout cas, ici, si elle avait décidé de se battre, eh bien, le résultat, c'était pour elle de souffrir vraiment énormément et de souffrir d'injustice. Donc, je crois que ce qu'on nous répond ici, déjà dans cette première interprétation, eh bien, est que Nadine a eu des difficultés parce qu'elle a voulu se réapproprier sa vie. Il semble qu'elle ait été blessée physiquement, on ne nous parle pas encore de décès, mais en tout cas, elle n'allait pas bien à ce moment-là, moralement. Et il semble que physiquement, du coup, elle en ait potentiellement payé le prix. Nous avons la carte du soleil qui s'ensuit, la carte du soleil qui rayonne et qui, pour le coup, est arrivée dans un bon sens, qui va apporter une nuance à la carte précédente. Ici, c'est une forme de succès, en fait, qu'elle visait, et tout se montrait favorable. Donc, c'est bien ce qu'il nous disait ici, les changements étaient initiés, et tout semblait, pour elle, se passer de la meilleure des façons. Elle allait voir, en fait, une grande recrudescence de joie, d'amour dans sa vie, des relations humaines nouvelles qui allaient se lier autour d'elle. Elle était, en fait, sur une sorte de nouvelle vie, potentiellement aussi, pourquoi pas, de grossesse. Et ici, c'était quelque chose qui, pour elle, avait vraiment un impact super positif sur son physique, mais également sur son mental. Elle était avec un meilleur état d'esprit qu'elle n'avait pu être au préalable, et elle se sentait dans une période d'évolution pour elle et à travers elle, qui lui redonnait son leadership sur sa vie et qui lui permettait aussi d'éclaircir tous les parties d'ombre qui restaient dans sa tête, ses réflexions un petit peu compliquées qu'on peut se faire parfois tous le soir. Eh bien, elle semblait y avoir trouvé des alternatives et se sentir mieux. Par exemple, on peut avoir l'impression d'une fleur qui s'épanouissait complètement avec les tournesols. Donc voilà ici où Nadine en était rassurée et contente des décisions, semble-t-il, qu'elle avait pu mettre en place pour s'en sortir et attaquer sa nouvelle vie. Alors nous avons après cette carte qui arrive également de manière positive et qui nous parle en fait de quelqu'un qui savait, comment dire,
qui savait déterminer voilà ce qui pouvait être bon pour elle, mais également bon pour ses congénères, pour d'autres personnes autour d'elle. C'est quelqu'un qui avait quand même un certain nombre de connaissances, qui était capable de donner beaucoup d'aide aux autres et qui savait parfois se montrer aussi extrêmement patiente pour attendre le bon moment, le moment opportun, afin de pouvoir quand même pouvoir exprimer ses opinions, mais de manière la plus diplomate possible. C'est quelqu'un qui savait très bien se montrer patiente et à l'écoute. C'est quelqu'un également qui avait décidé de suivre ses traditions et d'écouter son propre guide en se faisant confiance. Donc, il semble que cette élévation, en fait, spirituelle se retrouve ici. Et c'est quelque chose qu'elle avait décidé de s'approprier. On a dû lui dire qu'elle avait des dons ou je ne sais quoi. En tout cas, elle a décidé elle-même de faire cet effort-là de connexion et de peut-être se mettre à méditer ou autre. Donc ici, on est toujours dans des cartes positives, pourtant, hein, malgré que nous n'ayons pas de nouvelles de cette dame. Et tant mieux, c'est toujours rassurant d'avoir ce genre de carte qui arrive. Alors ici, c'est une carte donc qui parle de spontanéité, de simplicité, et que ces deux façons de vivre sont pour elle les deux meilleures façons de traverser son existence avec enthousiasme en fait, et puis beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Donc sa spontanéité, puis sa simplicité, Anadine. Ici, on nous dit aussi qu'il a été peut-être nécessaire pour savoir comment anticiper les choses, de suivre son instinct. Il semble qu'elle ait appris à travailler dans ses ressentis et qu'elle ait eu envie de se faire confiance. Par contre, on lui dit de faire attention aux éléments d'impulsivité qui sont autour d'elle et qui pourraient aussi la mettre dans une action qui serait vraiment contrariante. Donc on voit que tout ce que Nadine mettait en place était dans l'objectif vraiment de s'en sortir avec ce petit bémol ici. Et l'empereur qui arrive à l'envers. Donc cette carte n'est pas très positive, je ne vous le cache pas. Cette carte qui suit les conseils prodigués sur la carte précédente vient en complément d'information, pardon, nous parler de cette notion de fragilité mentale et également physique qui sont dues à des attitudes tyranniques en fait, hein, qui étaient imposées à Nadine par elle-même ou par une tierce personne. Cela la faisait souffrir en fait vraiment derrière son apparente énergie. Elle était extrêmement fragilisée par plusieurs événements qui avaient lieu récemment dans son existence. Elle a eu des excès, je pense, d'ambition, d'autorité, voilà. On me parle d'autorité ici, qui a été mal distribuée. Quelqu'un qui avait besoin de recevoir vraiment beaucoup de compliments, beaucoup de d'entendre en fait ce qu'elle valait. Et pourtant, elle était incapable d'écouter les conseils de ses proches, qui, eux, lui disaient qu'il y avait des dangers, autour d'elle, en fait. Ouais. Ici, elle a préféré écouter des personnes qui, en réalité, voulaient la dominer et qui avaient des mauvaises intentions envers elle. Donc, pour moi, on ne nous dit pas que Nadine est décédée ou pas, mais simplement, on nous parle de mauvais choix qu'elle a fait ici. Et je pense, je vais tirer d'autres cartes hein, pour confirmer ou infirmer. On va recouvrir celle-ci. Donc, on va en avoir un peu plus le cœur net. Voilà. On va prendre tout de suite les mêmes nombres de cartes que je vais associer aux précédentes pour avoir quelques compléments d'information avant d'arrêter ce tirage pour aujourd'hui consacré à Nadine Chabert. Le 5 de coupe renversé, je vais toutes les retourner. Hein. Le 2 d'épée renversé. Le 10 de bâton renversé. Le valet de coupe à l'endroit et les amoureux renversés. Ok. Alors, on a vraiment ici la dualité qui s'instaure. Donc, avec le 5 d'épée qui est complété par le 5 de coupe à l'envers. Donc, c'était une carte qui était à l'endroit au départ. Et ici, qui est plus dans le négatif. Et cette carte est représentative d'une femme qui est triste.
Cette carte ici nous parle de souffrance et puis d'une certaine apathie qui sont arrivées dans la vie de Nadine. Elle avait ici, semble-t-il, des émotions qui étaient partagées, mitigées, et elle devait faire preuve, elle avait l'impression de devoir faire preuve de résilience pour pouvoir surmonter la difficulté. On lui dit pourtant qu'elle aurait dû faire table rase en fait du passé parce qu'elle avait trop de poids en fait sur ses épaules et que ce poids-là en fait et cette relation passée avec son mari la remplissait en fait de culpabilité ou alors avec un amant, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est de l'ordre de la vie sentimentale ici et on nous dit vraiment qu'elle était plus bien là où elle était, quoi. Ouais. C'est vrai que cette carte indique également souvent aussi qu'il faut se rappeler en fait que cette période d'isolement, de difficulté, c'est quelque chose qui a été engendré par un comportement malsain qui a été mis en place. Donc c'est comme si on nous disait qu'elle payait les conséquences de ce qui avait été décidé ici. On a le 2 d'épée qui arrive par la suite. Le 2 d'épée qui, lui, est à l'envers également. Alors, on nous parle avec cette carte de plutôt quelque chose qui fait penser à une guerre et une guerre qui aurait été vraiment dramatique et qui laisse un paysage complètement désolé et mort. C'est en fait la carte de choisir en fait entre... Ben en fait, c'est une carte qui nous parle de choix, le 2 d'épée retourné. Entre le mensonge et se battre pour essayer de retrouver la réalité, pour devenir plus fort, c'est choisir la tentation au lieu de se montrer fidèle à ce que l'on est. Cette carte parle également de cacher la réalité, de mentir énormément, d'avoir des conséquences négatives sur sa route qui sont à la hauteur, en fait, du manque de bienveillance des actions qui sont menées par la personne. Donc vraiment, elle avait mis en place des choses qui lui retombaient sur le nez et elle se sentait nécessairement coupable de ce qui pouvait advenir au sein de sa famille. Malgré tout, elle y trouvait un épanouissement certain. Donc elle savait qu'elle faisait du mal autour d'elle, mais ne pouvait pas s'empêcher, semble-t-il, de continuer à agir ainsi. Alors, ce 10, ben, là aussi, hein, ce 10 de bâton qui est renversé, va nous indiquer plutôt qu'elle a vu trop loin, en fait, qu'elle était épuisée par quelque chose de plus fort qu'elle, qu'il était temps, en fait, de dire stop à un cycle qu'elle avait mis en place au niveau professionnel qui était en train de lui desservir. Elle avait beaucoup, beaucoup trop de choses sur ses épaules, une nouvelle fois, comme sur la carte du 5 de coupe. C'est quelqu'un qui était vraiment trop responsabilisé dans toute sa vie et qui avait très peu de compliments, très peu d'encouragement. On lui conseillait de dire non, d'apprendre à dire non à tout ce qui lui semblait être de l'ordre de l'exploitation et qui lui semblait être trop lourd pour elle à gérer. On lui disait qu'en apprenant à dire non, elle aurait un nouveau départ plus positif et que les gens la respecteraient beaucoup plus. Après, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe qui, lui, arrive à l'endroit. Ce valet de coupe à l'endroit parle de créativité, du côté artistique et pourquoi pas de nouvelles passions. Passion, on peut penser effectivement à ses activités liées au tirage de cartes, à l'ésotérisme. Elle avait, semble-t-il, de nouveaux projets et un espèce de renouveau dans ses relations amicales, collègues, pourquoi pas, sentimentales. Ici, on peut également nous parler d'une naissance. Effectivement, c'est la deuxième fois que cette information m'arrive, d'une grossesse. Ouais, d'un nouvel enfant qui arriverait dans la vie de cette femme. En tout cas, c'est une carte positive et qui indique qu'ici, elle avait besoin de beaucoup de réflexion afin de garder son énergie au maximum pour les événements qui l'attendaient par la suite. Nadine a fait preuve de courage dans sa vie et a vraiment su essayer de préserver sa fille, je pense, de tout ce qui se passait dans son dos.
Et la carte des amoureux ici parle d'un départ, d'un nouveau départ, avec un choix à faire qui sera fondamental en fait pour résoudre le futur et savoir dans quel sens mener sa barque. Nadine avait, semble-t-il, pris cette décision et saisi l'opportunité, à travers cette demande de séparation, de pouvoir s'approprier sa vie. Par contre, cette évasion, en fait, de cette vie de couple qu'elle connaissait, s'est faite avec peur. Elle a eu peur d'être rejetée par le reste de sa famille et également de manquer d'amour et d'affection des gens qui étaient autour d'elle. Elle a eu peur que ses décisions soient très mal perçues. Donc pour moi, on nous a bien expliqué préalablement que c'était un choix délibéré de sa part de pouvoir divorcer, mais que les conséquences n'avaient pas été mesurées. Quoi qu'il en soit donc, ici, nous apprenons que la disparition de Nadine est bel et bien en lien avec sa vie de couple et ses choix sentimentaux. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous remercie de cette proposition qui était pour moi un très bon tirage, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, connaissant cette affaire au préalable. Et je vous proposerai très prochainement d'étudier l'affaire de Marine Boisseron. C'est une affaire qui a eu lieu en Rhône-Alpes et qui concerne une jeune femme qui a été retrouvée décédée au domicile de ses parents, tué de plusieurs coups de couteau. C'est son père qui l'a découvert en rentrant du travail et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il est arrivé ce jour-là où Marine, exceptionnellement, terminait ses cours plus tôt et s'était donc rendue chez elle pour réviser. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.